mais vraiment la chose à laquelle je crois le plus, c'est le Périelli encore, qui est la meilleure illustration de la justesse, pour pas dire autre chose, de la théorie. Et on mesure aujourd'hui les Périelli de d'autres planètes. Oui, bien sûr. Maintenant, il y en a d'autres. Ça a été le prix Nobel de Hulse et Taylor en 79. Et Einstein n'a pas eu de prix Nobel pour la relativité. C'est pour voir à quel point elle était mal vue. Il l'a eu pour d'autres raisons. Ils ont peut-être dire deux mots des ondes gravitationnelles. Oui, on va peut-être aborder le problème. Donc, vous vous souvenez, donc, au début de cette année, c'était en février, si même on ne me trompe pas, la collaboration LIGO, hein, donc, qui est un ensemble de nombreux chercheurs qui sont aux États-Unis, a annoncé qu'ils avaient détecté pour la première fois des ondes gravitationnelles. Et c'était en fait dès le début du fonctionnement de la machine. Enfin, la machine fonctionnait déjà depuis quelques années, mais elle avait été rendue plus performante. Et c'est en septembre, hein, c'est bien ça. Donc le 14 septembre, je crois. Hein, voilà. Mais 2015, donc l'année où on célébrait l'anniversaire d'Einstein, où ils ont détecté les ondes gravitationnelles. Mais finalement, bon, quand on parle d'ondes, on a, je pense, tous un peu des images assez intuitives, comme des vagues sur l'eau. Mais une onde gravitationnelle, qu'est-ce que c'est? Quel effet ça a sur les objets ou est-ce que tu peux répondre à ça, Richard? Alors, effectivement, quand on pense aux ondes, je pense qu'une bonne image de l'onde qu'on peut avoir, c'est les ondes à la surface de l'eau. On appelle ça des ondes mécaniques. Voilà. Vous êtes dans votre baignoire, plus vous lancez votre canard, ça fait des machins sur l'eau comme ça. Okay. Si vous vous rappelez ce que j'ai dit tout à l'heure, la gravitation, c'est une courbure de l'espace-temps. Bah, du coup, on peut imaginer que si on se met tout d'un coup à secouer une masse quelque part dans l'espace, ou en un point de l'espace-temps, on a un événement qui peut varier au cours du temps. Un point dans l'espace-temps qui va au cours du temps, c'est nul comme phrase. Ça veut rien dire. Je recommence. Si vous avez quelque part dans l'espace quelque chose qui est en train de varier au cours du temps, vous prenez une masse et vous la secouez, et bien en fait, ça provoque effectivement des vagues dans l'espace-temps lui-même, des vagues que je suis bien incapable de vous représenter dans un espace à quatre dimensions, parce que voilà, mais si l'espace-temps était quelque chose à deux dimensions d'espace, on verrait dans l'espace quelque chose qui ressemble à des ondulations à la surface de l'eau. Retenez en tout cas que voilà, les ondes gravitationnelles, ce sont des perturbations de l'espace-temps, des déformations de l'espace-temps. Et je vous ai mentionné au tout début avec le coup de mon pingouin là que la courbure c'était associé à des variations de distance. Ça affectait la manière dont on pouvait mesurer les distances. Mais en fait, une onde gravitationnelle, ça se manifeste exactement comme ça. Quand vous avez une onde gravitationnelle qui est en train de passer, ça modifie temporairement le temps du passage de l'onde, les distances relatives entre les objets. Et ça les modifie d'une façon très spécifique. Si vous amusez à mettre des petits cailloux, ils font des trucs de fou, les physiciens, vous mettez des petits cailloux comme ça, par terre, en formant un beau cercle, toc, vous attendez. Si vous avez une onde gravitationnelle qui passe, les cailloux vont tout d'un coup prendre une forme d'ellipse dans un sens, puis dans l'autre, et ça va faire comme ça. Il n'est pas d'accord. Un mot. Non, juste un mot. Quand tu parles de distance, Richard, c'est des distances-temps. Hein. Il n'y a pas de distance. Il n'y a pas de rigidité. Ça n'existe pas. La rigidité, c'est un concept qui n'existe pas en relativité. Donc, c'est des distances-temps propres, c'est-à-dire avec ces. Alors, on les mesure effectivement avec la lumière. Pour se balader, hein. On la mesure avec la lumière. On parle toujours de distance, mais il ne faut plus penser distance. Distance, trois distances. Ça n'a plus de sens. C'est assez difficile à avaler. Non, mais du coup, ça fait le lien effectivement avec la manière dont on mesure ça. Parce que pour mesurer ces distances, je vais continuer à utiliser le mot distance parce que c'est plus simple, mais voilà. Pour les mesurer, le gars qui fait son pénible, ce qu'on fait, c'est qu'on envoie de la lumière dans une direction, on met un miroir et on laisse la lumière revenir. On envoie de la lumière dans une autre direction perpendiculaire, on met un autre miroir, on la laisse revenir. Et on s'arrange. En fait, la lumière, elle a une propriété assez étonnante. En fait, c'est un truc de fou. La lumière, elle a cette propriété que quand vous envoyez de la lumière et que vous la superposez avec de la lumière, dans certaines circonstances, ça peut faire de l'obscurité. J'ai pas fumé, j'ai pas bu, c'est comme ça, ça se mesure très bien. Non, mais ça se fait, on fait des expériences très facilement qui le mettent en évidence. Ça s'appelle depuis le 19e, ça s'appelle les interférences de la lumière. C'est comme ça qu'on a d'ailleurs montré que la lumière était, enfin, le caractère ondulatoire de la lumière. Bon, donc on s'arrange pour faire ça. On envoie de la lumière dans une direction avec un miroir, paf, les deux faisceaux se combinent et on s'arrange pour que ces faisceaux se combinent pour donner de l'obscurité. Au passage d'une onde gravitationnelle, ça va modifier la longueur de trajet
de la longueur parcourue par la lumière dans chacun des bras. Et or, le phénomène d'interférence dont j'ai parlé tout à l'heure, il dépend en fait de la distance qui a été parcourue. Si vous voulez, si un des rayons lumineux prend un petit peu d'avance par rapport à un autre, eh ben, ce qui était une interférence destructive, c'est-à-dire ce qui donnait de l'obscurité, va se mettre à donner de la lumière. Et du coup, c'est simple à décrire, on envoie la lumière comme j'ai dit, ça se recombine pour former de l'obscurité, on attend, et tout d'un coup, paf, on voit apparaître, là où il y avait de l'obscurité, on voit apparaître de la lumière qui clignote. Ça, c'est exactement ce qu'a fait LIGO, ce que fait aussi l'expérience Virgo qui est en train de faire la même chose. Et sauf que j'ai pas parlé pour l'instant de la taille on appelle ça les bras. Hein. Le dispositif d'ailleurs s'appelle un interféromètre et les bras ils font 3 km, donc c'est l'image qu'on avait tout à l'heure. Vous avez des immenses bras de 3 km qui servent à détecter. Je voudrais faire une remarque là-dessus. Quand on voit la dimension du cylindre de Weber qui faisait 1 mètre et l'interféromètre qui fait 3 km, on voit que Weber était très probablement loin du compte. Hein, je veux dire rien de ça. Bon, je veux revenir encore sur mon idée de temps propre. Hein, c'est comme le poumon dans Molière. Vous savez, le poumon. J'y tiens. C'est vraiment très important de ne plus penser en distance, de ne plus penser en temps à l'infini, en temps pour tout le monde. On a chacun notre temps propre. Et chaque fois qu'on fait des mesures, c'est des mesures de temps. Alors après, on en parle en distance, mais en ayant bien dans la tête que c'est un temps propre, c'est-à-dire le temps de la particule, qui n'est pas le temps de l'autre particule. C'est donc assez compliqué à penser, mais il faut s'y mettre, sinon vous ne comprenez rien, vous allez être perdu. Parce que la plupart, si vous voulez, comme les paradoxes des jumeaux, je n'en parlerai pas parce que c'est trop compliqué, mais il ne faut pas les penser justement comme paradoxes, ce n'est pas un paradoxe du tout, c'est tout simplement qu'il faut les penser en temps propre et pas en newtonien, avec le temps à l'infini, etc. C'est pour ça qu'il y a un problème. Mais finalement, penser à ça, y insister, c'est insister sur quelque chose qu'on ne peut pas comprendre dans la manière dont vous avez posé la question. En tout cas, c'est ma manière de voir. Je peux juste rajouter un tout petit bout à l'histoire. Donc, effectivement, on a annoncé la détection directe d'ondes gravitationnelles cette année. J'insiste sur le mot « direct », parce qu'en fait, comme l'a mentionné Jean, il y a des systèmes qu'on observe en astronomie. On voit des objets qui tournent les uns autour des autres avec des vitesses importantes. Dans certaines conditions, dès que des corps tournent les uns autour des autres, ils émettent des ondes gravitationnelles. Ça, c'est ce que nous dit la théorie. Et ça veut dire que ça, ils perdent de l'énergie. Vous mettez deux trucs qui tournent l'un autour de l'autre, ils émettent des ondes gravitationnelles, perdent de l'énergie, et donc ça resserre leur trajectoire. Et ce qu'on voit sur la binaire qu'a mentionné tout à l'heure Jean, c'est exactement ça. On voit que les binaires orbitent de plus en plus vite l'une autour de l'autre. Ça se mesure vraiment extrêmement bien. De cette modification de la période de rotation, on peut en déduire l'énergie qui a été envoyée en onde gravitationnelle. Et ça correspond effectivement exactement à ce qu'on peut calculer. Donc on mesure d'une part la différence de l'augmentation de rapidité de rotation l'un autour de l'autre. On en déduit expérimentalement l'énergie qui a été perdue sous forme d'onde gravitationnelle. On compare ça avec ce que dit la théorie de la relativité générale. Tiens, si on met deux trucs qui tournent l'un autour de l'autre, ça devrait émettre tant d'ondes gravitationnelles. Et du coup, cette mesure-là sur les pulsars binaires qui tournent l'un autour de l'autre, en fait, c'est considéré comme la première détection indirecte d'ondes gravitationnelles. Donc c'est pour ça que t'as mentionné tout à l'heure qu'on n'était pas surpris de détecter ces ondes gravitationnelles. Non, personne honnêtement n'était surpris de les voir. Mais il en reste pas moins que c'est fabuleux. Hein. Personne l'avait jamais vu. On n'est pas surpris, voilà. Genre on vous dit pendant 10 ans, tiens, à ton 10e anniversaire, t'auras un G.I. Joe dans ton... Là, ça fait un peu vieux. Bon, bref, t'auras un G.I. Joe dans ta boîte. Vous attendez, vous ouvrez la boîte, il y a un G.I. Joe. Oui, ok, vous saviez. C'est chouette quand même. Elle est super nulle, mon analogie. Je te laisse la parole. C'est tout ce que je voulais dire. Non, je crois aussi que ce qui est intéressant avec ces détections directes des ondes gravitationnelles, c'est qu'on va pouvoir chercher l'information qu'elles portent. Parce qu'avant, quand on avait une détection indirecte des ondes gravitationnelles, on savait juste qu'il y avait de l'énergie qui partait. On savait juste que l'énergie qui était émise par les deux astres, elle partait selon les lois de la relativité générale, mais c'est à peu près tout ce qu'on pouvait savoir. Alors que là, brutalement, c'est comme si on était aveugle avant, et brutalement, on a un nouveau sens qui s'ouvre, un nouveau signal qui va nous permettre de voir plein de nouvelles choses. Et vous savez, en astronomie, en astrophysique, chaque fois qu'il y a eu un nouvel instrument qui nous a permis de voir quelque chose de nouveau, ça a tout bouleversé.
quand Galilée a eu sa lunette, hein, quand il a commencé à regarder la Voie lactée de près et qu'il a commencé à voir que la Voie lactée, c'était plein de petits points lumineux, plein d'étoiles, ça a commencé à changer la vision du monde. Quand les ondes radio, les radiotélescopes sont entrés en action, ben, on a détecté justement les quasars et les pulsars qui ont justement permis d'interroger les physiciens de l'époque qui se sont dit peut-être que la relativité générale qui était à l'étiage, hein, comme l'a très bien dit Jean-Jean Stett, ben, peut-être que cette théorie est importante et on a commencé à l'étudier et à la prendre vraiment au sérieux dans la communauté scientifique alors qu'elle avait été un petit peu mise de côté. Et je crois que c'est vraiment ça intéressant. On va pouvoir vraiment voir une nouvelle vision du monde. Oui, moi je voulais ajouter un point. Oui. Je voulais ajouter un point, c'est que justement, les ondes gravitationnelles qu'on a observées, c'est, en tout cas c'est ce qui est projeté, deux trous noirs qui sont en train, si vous voulez, de collapser, c'est-à-dire de tomber l'un sur l'autre. Alors, en fait, ce qui est important, c'est qu'à ce moment-là, les calculs montrent que 3% de l'énergie des trous noirs, ce qui est énorme, va sortir en ondes gravitationnelles. Hein, il me semble que c'est le cas. Hein? Et donc, c'est pour ça qu'on peut le voir. C'est pour ça qu'il faut des moments extraordinaires, des événements extrêmement énergétiques pour pouvoir. Donc, en fait, un des problèmes de LIGO, de Virgo, etc., c'est non seulement c'est d'attendre, si vous voulez, qu'il y ait un tel événement. Et ça, on ne sait pas combien il y en a. Il y a un tas de statistiques qui ont été faites pour savoir quelle chance on avait de voir le collapse, l'effondrement gravitationnel de trous noirs ou de étoiles à neutrons, enfin de gros objets. Et ça, on ne savait pas et on ne sait toujours pas. Et j'ai l'impression qu'en ce moment, on pense qu'il y en a plus que prévu. Ah oui, là, largement, hein, oui, parce qu'il y a déjà un deuxième événement qui a été publié. Alors que ce n'était pas du tout attendu. Ouais. Et ça, c'est vraiment important. Ça veut dire que l'univers ne le connaît pas, quoi. Hein, on le connaît mal. Et puis bon, on s'en passe. On s'en passe en même temps là. Enfin, un point vraiment marquant de la découverte aussi, c'est que certes, ce sont deux trous noirs qui coalescent l'un sur l'autre, donc ça, on se doutait que ça arrivait dans l'univers. Mais là, c'est des trous noirs qui ont des masses un peu particulières quand même. On s'attendait pas vraiment à ce qu'il y ait beaucoup de. Ils doivent faire quelque chose comme 20 masses solaires. Hein. Je crois qu'il y en a un, c'est 29 et l'autre, c'est 32. Voilà, donc, de l'ordre de 30. Une trentaine de masses solaires. Et ils sont vraiment problématiques, ces trous noirs-là, parce que c'est les plus difficiles à former en quelque sorte. On n'est pas complètement sûr qu'on comprend pourquoi est-ce que, tiens, les deux premiers trous noirs qu'on voit se coalescer, ils ont cette masse-là. Et puis le deuxième événement, c'est aussi dans le même ordre de grandeur. Donc ça ouvre déjà pas mal de questions vraiment astrophysiques. Là, même en sortant du cadre des ondes gravitationnelles. Je crois que pour anticiper sur la prochaine table ronde, il y a la possibilité que ça soit en fait des composantes de la matière noire. Juste un petit aparté, 30 secondes. Ah oui, alors bon. C'est intéressant, je pense. Et effectivement, ça suggère que le fait qu'on détecte des trous noirs comme ça, 30 masses solaires, alors qu'on ne pensait pas qu'il y en avait beaucoup dans l'univers, ça ouvre des portes. Et notamment, il y a des chercheurs qui se sont dit, tiens, ben, il y a peut-être beaucoup, beaucoup, beaucoup de trous noirs de 30 masses solaires dans l'univers. On ne sait pas comment ils sont faits, mais il y en a peut-être beaucoup. Et or, il y a un problème aujourd'hui en astronomie et en astrophysique, qui est le problème de la matière noire. Il y a une grande partie de la masse de l'univers qui semble être là sous forme invisible. Donc apparemment, il y a plein de trucs autour de nous qu'on ne voit pas. 90% de la masse autour de nous n'est pas sous forme visible. Et ben, ça pourrait éventuellement être une hypothèse qui est avancée par certains chercheurs, c'est que ça pourrait être ces trous noirs-là. C'en est un stade très, très embryonnaire en tant qu'hypothèse, mais elle a été formulée, du coup, cette hypothèse, tout de suite après la découverte. Mais finalement, pour détecter ces ondes gravitationnelles, pourquoi est-ce qu'il a fallu des machines aussi grandes avec plusieurs kilomètres? Parce que vraiment, la variation de distance est très petite, c'est ça? Oui, bah, là, tu connais probablement mieux l'ordre de grandeur que moi, mais sur les bras de... Alors, ce qu'il faut voir, c'est quand une onde gravitationnelle passe, ça contracte et ça dilate, en quelque sorte, les distances propres, d'une manière relative. C'est-à-dire que ça multiplie tout par un même facteur. Donc si vous avez une distance qui est comme ça, ça va la diminuer un petit peu, puis l'augmenter un petit peu. Si une distance est plus grande, ça va l'écart, disons la variation, va être d'autant plus grande. Donc plus vous prenez un bras qui est grand, plus la distance à mesurer va être aussi grande. Mais quand je dis grand, il faut faire attention. Sur des bras de 3 km, la distance de laquelle on va... Les distances en jeu ont varié d'une taille qui est inférieure à celle d'un atome, largement. Sur 3 km, les miroirs, en gros, ont vibré sur une distance qui est inférieure, bien inférieure, plusieurs ordres de grandeur inférieure à
la taille d'un atome. C'est vraiment minuscule. C'est pour ça qu'il y a des projets dès aujourd'hui qui proposent de faire des interféromètres beaucoup plus grands, avec des bras qui font non pas 3 km, mais éventuellement 150 millions de kilomètres. Enfin, voilà, une unité astronomique, en envoyant des satellites en orbite autour du Soleil. Ça, c'est des projets très très lointains, mais qui commencent déjà à être envisagés. C'est le projet ELISA dont tu parles. Oui, c'est ça. Je crois que d'ailleurs, le fait qu'on ait besoin de mesurer quelque chose de très précis, c'est ce qui explique qu'on ait utilisé les lasers, parce que ça permet de faire des mesures de distance très, très fines. Oui. Je vois où tu veux en venir, oui. Mais vas-y, dis-le. Non, tu peux le dire. Alors, il y a une petite ironie de l'histoire, on va dire, parce qu'effectivement, pour faire ces interférences dont j'ai parlé tout à l'heure, là, qui font de l'obscurité, on sait le faire bien qu'avec de la lumière très particulière qui s'appelle la lumière laser. Et il se trouve que le laser, en gros, a été découvert ou inventé, là on pourrait discuter, mais en 1960, et c'est basé, ce laser est basé sur un phénomène qui avait été découvert, lui, par Einstein, découvert de manière théorique par Einstein, un processus qui s'appelle l'émission stimulée. L'émission stimulée, c'est le fait que si vous avez un atome, en gros, quand vous avez un atome, vous pouvez, il est tranquille, là je fais l'atome tranquille, voilà, il est dans son état fondamental. Vous pouvez l'exciter un peu. Il est dans son état excité, atome, toc, et au bout d'un certain temps, il va spontanément se désexciter, se revenir dans son état fondamental en émettant de la lumière. Ça, c'est le truc standard. C'est comme ça que marchent les ampoules, la plupart des ampoules. Voilà, on les chauffe, donc on excite les atomes qui sont dedans, et du coup, ils émettent de la lumière. Un truc de fou, c'est que cet atome excité, là, si vous lui envoyez de la lumière, une lumière assez particulière, celle, en fait, que l'atome a envie d'émettre, celle qu'il émettrait s'il se désintégrait tout seul, donc vous lui envoyez cette lumière-là, et ben ça déclenche sa désexcitation, et du coup, il émet un photon, il met de la lumière, et une lumière qui est exactement semblable à celle qui avait été, celle qu'il a reçue, en fait. Donc, vous envoyez une certaine lumière à cet atome excité, paf, il y en a deux qui partent. Si derrière vous mettez encore un atome, ça va encore multiplier le nombre de la quantité de lumière, etc. Et la lumière que vous obtenez comme ça, par ce processus d'émission stimulée, elle a des propriétés vraiment extraordinaires du point de vue optique qui permettent de faire facilement ces interférences destructives dont j'ai parlé là. Je crois qu'il y a une propriété des ondes gravitationnelles qui est importante de connaître, c'est que, en fait, contrairement à la lumière qui peut être absorbée par, si vous avez suffisamment de matière, la lumière est bloquée, en fait, il n'y a rien qui arrête les ondes gravitationnelles, donc c'est très pénétrant. Donc, est-ce qu'on ne peut pas dire que, quelque part, cette nouvelle astronomie gravitationnelle qui est en train de s'ouvrir avec des instruments comme LIGO, donc aux États-Unis, ou Virgo en Europe, c'est un peu comme si, comme quand on a eu les rayons X, en fait, au début avec la médecine, que brutalement, ça nous a permis de voir des choses. Notamment, il y a des astres, des étoiles à neutrons, par exemple, qui sont très massifs. Hein. C'est des choses qui peuvent être aussi massives que le Soleil, mais tu m'arrêtes si je dis une bêtise, aussi massives que le Soleil, mais le diamètre de la Terre, c'est ça, je crois. Oui, alors l'ordre de grandeur, je ne le mets pas en tête. Mais c'est une blanche. Ça doit être quelques dizaines de kilomètres, je crois. Et c'est extrêmement dense, très compact, et on aimerait bien savoir ce qui se passe dedans. Et les ondes gravitationnelles peuvent nous permettre de comprendre, je crois, ce qui se passe dedans. Alors, effectivement, on peut faire ce parallèle avec les rayons X, par exemple, mais il y a quand même une grosse différence. Voilà, je vais être un petit peu négatif, mais il ne faut pas mettre trop d'espoir non plus là-dedans, dans la mesure où les ondes gravitationnelles, on voit les ondes qui ont été émises par des phénomènes extrêmement violents. Voilà. C'est pas, on va voir que certains types d'événements très, très, très particuliers. Dans le cas des rayons X ou des rayons gamma, enfin des rayons X, on peut prendre une source à rayons X, mettre un objet et ça fait une sonde, quoi. On arrive à s'en servir pour voir d'autres choses. Les ondes gravitationnelles, ça semble un peu plus difficile. Non, mais tout simplement, on peut créer des rayons X, on ne peut pas créer ici, hein, sur la Terre, des ondes gravitationnelles. Si, regarde. C'est tout. Oui, mais... Qu'est-ce que t'en feras? D'accord. Je dis, ça n'a pas du tout. Alors, c'était pas une sens. Blague, hein. Là, j'en ai fait, mais bon, elles sont ça, très c'est faibles. C'est du cinéma. Non, ah non, non, attends. Justement, si elles sont créées par des événements très très violents, il y a quand même eu dans l'histoire de l'univers un événement extrêmement violent, le Big Bang, qui a peut-être dû justement faire vibrer, trembler le tissu de l'espace-temps. Est-ce qu'on peut voir des choses comme ça? Est-ce que les ondes gravitationnelles nous permettront d'apprendre des choses là-dessus? Peut-être que vous vous souvenez, il y a peut-être un an ou deux, je ne me souviens plus très bien par contre, l'annonce par le satellite européen Planck qu'on a peut-être détecté des ondes gravitationnelles dans la plus vieille lumière du monde. Alors, si je me souviens, c'était pas Planck, c'était Biceps. Hein. La première fois, oui. Ouais. Et Planck, justement, voyait rien. Alors, c'est pas.
Alors la réponse, j'ai envie de dire non. T'as envie que je réponde oui, mais je vais répondre non. Je te laisse répondre. Donc les ondes gravitationnelles, c'est comme toutes les ondes. Je sais pas si tout le monde est très familier avec les ondes. Il y a un type d'onde avec lequel on est familier, c'est la lumière. La lumière, c'est ce qu'on appelle une onde électromagnétique. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il se trouve que la lumière, c'est un phénomène qui a trait à l'électricité et au magnétisme. C'est comme ça. C'est une onde électromagnétique qui a des propriétés très particulières, qui a notamment une longueur d'onde, une gamme de longueur d'onde bien précise. La longueur d'onde, c'est la distance sur laquelle l'onde se répète. Si on pouvait prendre une photo de l'onde, en quelque sorte, ça serait la distance entre deux points où l'onde a le même état. Bon. La lumière, ce n'est pas la seule onde électromagnétique. Il y en a plein d'autres. Les ondes radio, les ondes gamma, les rayons X, les micro-ondes, tout ça, voilà, les ultraviolets, les infrarouges, tout ça, c'est des ondes électromagnétiques. Et il y en a autant de sortes que de longueurs d'onde. Pour les ondes gravitationnelles, c'est pareil. Il y en a vraiment plein. Donc là, nous, on a une fenêtre avec Virgo Ligo. On a une fenêtre qui est quand même assez petite. Donc on voit certains types d'ondes gravitationnelles avec certaines longueurs d'onde, certaines fréquences temporelles aussi. Mais ça ne nous permet pas non plus d'explorer tous les phénomènes. À ma connaissance, ces instruments-là, Virgo, LIGO et même ELISA, ne seront pas du tout adaptés pour détecter celles dont tu parles, les ondes gravitationnelles qui sont issues du Big Bang. Il y a d'autres moyens de les voir, celles-ci. Effectivement, les expériences qui mesurent le rayonnement de fond cosmologique, comme tu le mentionnes, Planck ou des suivants, s'il y en a, sont beaucoup plus adaptés pour ça. Après, là, je suis vraiment à la marge de mon domaine d'expertise. Donc, voilà. Oubliez ce que je viens de dire. Non, je suis sûr à 99% de ça que LIGO et Virgo ne sont pas du tout les bons instruments pour ça. D'accord. J'ai une autre question. Apparemment, jusqu'à présent, la théorie d'Einstein est vraiment très bien vérifiée et on l'a vu, enfin, on semble l'avoir vu avec la détection des ondes gravitationnelles par LIGO avec les trous noirs, mais est-ce que l'intérêt aussi de détecter ces ondes gravitationnelles, c'est pas d'un jour d'aller au-delà des équations de la gravité générale, de prouver qu'Einstein avait, comme Newton avait en partie raison, mais pas complètement raison, il a été remplacé par Einstein, est-ce que ça va pas permettre un jour de se rendre compte qu'Einstein avait lui aussi en partie raison, mais pas complètement? Oui, juste, bon, je suis pas spécialiste de ça, quand même, ce qu'il faut dire, c'est que les gens qui essaient de construire des théories unitaires, c'est ça dont tu parles, ont beaucoup de problèmes, parce qu'il est très difficile de construire des théories de ce genre sur un espace courbe. C'est pour ça que les gens étaient aussi distants depuis toujours, n'est-ce pas? Il est beaucoup plus simple de travailler sur des espaces plats. La mécanique quantique continue à travailler sur des espaces qui sont en gros plats, c'est du Minkowski, mais c'est plat. Avec le cône, mais ça, on sait encore faire. Mais lorsque l'espace est courbe, la mathématique et les liens avec la physique sont extrêmement difficiles. Et c'est un travail de matheux. Et aujourd'hui, je pense que c'est une des difficultés essentielles. Mais j'en sais pas plus. Je travaille pas là-dessus. Bah, moi non plus, donc je vais donner mon avis aussi. Donc, j'ai pas l'impression que les gens qui travaillent actuellement sur ça, sur les ondes gravitationnelles et sur leur détection, se posent les questions que tu poses toi. C'est des questions qui vont venir, effectivement. Et en particulier, si on s'aperçoit que les ondes gravitationnelles qu'on détecte ont des propriétés qu'on comprend pas. Genre, si on s'aperçoit, je sais pas moi, que par exemple, elles ont une vitesse qui n'est pas égale à la vitesse de la lumière, par exemple. Là, on pourra commencer à se poser des questions plus profondes, mais, là, j'ai l'impression que le but, c'est quand même déjà donc, de détecter ces ondes pour sûr, donc ça, je pense que c'est fait, et de s'en servir pour faire une nouvelle astronomie et détecter des nouveaux objets. Non, moi, je parlais pas de ça, je parlais de la construction vraiment théorique d'une théorie unitaire. Et à ce moment-là, en fait, comme la relativité générale marche si bien, on est obligé d'en tenir compte. Et comme on n'a pas de théorie, disons, minkowskienne, euclidienne, si vous voulez, de la gravitation, on ne sait pas s'en passer. Et donc, il faut construire, et d'ailleurs, il y a des gens qui s'en chargent, moi je parle mathématiques, là, hein, je parle pas du tout du lien avec la physique, les cordes et toutes les théories qui vont avec, les gens travaillent là-dessus. Mais c'est très difficile de passer, on le voit en relativité générale, je vous ai dit, la seule observable sérieuse qu'on ait, c'est le temps propre, c'est pour ça que je suis maniaque, hein, c'est le temps propre. Bon. Et au niveau des cordes, etc., c'est très très difficile, ça va être, et sans doute pour longtemps, difficile de construire une théorie mathématique qui, si vous voulez, peut donner des observables. Mais des observables, ça veut dire des choses qui sont invariantes, hein, comme le temps propre. Bon, c'est pas simple à faire, quoi. Je veux dire, c'est un gros travail, et pour l'instant, on en sort guère.
mathématiquement parlant, au niveau des physiciens. Il y a beaucoup de sortes de physiciens. Hein. Vous avez les gens qui font de la physique mathématique. Hein. C'est des matheux qui essaient de faire le point avec les physiciens. Leur dis pas que c'est des matheux. Mais si, ce sont des matheux. Mais la relativité générale, aujourd'hui, c'est accepté. C'est avant tout une théorie mathématique. Et les mathématiciens, ils prennent... Penrose est un mathématicien. Excellent. Mais c'est un mathématicien, mais qui fait, c'est un physicien, maths-physique, quoi. Et c'est très important qu'on fasse des maths aujourd'hui et qu'on fasse le lien avec la physique, et c'est pas simple. C'est ça la question vraie. Je veux dire, à part ça, on fait des petites choses. Une autre chose qu'on n'a pas dite, qui me revient là, c'est que ce qu'on n'a pas, par exemple, pour la détection des rayons lumineux, c'est justement une théorie qui combine la gravitation et les phénomènes quantiques sur lesquels on s'appuie pour détecter. Il faudrait une théorie globale. Donc on est obligé de prendre des bouts de ficelle, d'une certaine manière, de faire des modèles, mais qui ne sont pas des modèles qu'on a testés ailleurs. Je veux dire, théoriquement, c'est mal fondé, d'une certaine manière. Hein. Je veux dire, le récepteur, on n'a pas de théorie du récepteur, vraiment. Hein. On a des idées, et on se débrouille, on fait ça un peu avec des bouts de ficelle. Hein, c'est pas comment bien assis théoriquement, voilà ce que je veux dire. Ça ne veut pas dire que c'est faux, mais ça veut dire qu'on n'a pas une théorie qui permet, en partant de tous les schémas et de faire les approximations qu'il faut, pour revenir à la réalité. On n'a pas ça. On n'a pas, parce qu'il faudrait une théorie unitaire, en fait, pour faire ça.